c'est la répartition des rôles familiaux. La question de l'égalité entre les hommes et les femmes est évidemment vaste, comme le montre la communication d'aujourd'hui. Elle concerne la sécurité, le sport, l'emploi, les violences et bien d'autres. Mais nous le voyons, le cœur du nerf réside dans l'éducation, dans la déconstruction des stéréotypes formés dès le plus jeune âge. Moi-même, fils de féministe, ayant été élevé avec 4 sœurs et père de 3 filles, je suis toujours étonné par le mode de répartition des tâches dans les familles traditionnelles. Les tâches sont distribuées parfois sur des modèles caricaturaux à bien des égards. Le sexisme ordinaire doit être combattu dans le cercle familial. La question domestique touche à la bonne répartition des tâches et du choix de chacun dans la prise de responsabilité. Aide de devoir, ménage, déchets. C'est souvent l'homme qui descend les poubelles et la femme qui s'occupe du linge et qui a la plus grande charge mentale dans le suivi des enfants, que ce soit l'école, le suivi médical. Il ne s'agit surtout pas d'obliger les femmes à descendre les poubelles, mais que la répartition des rôles soit concertée et décidée en commun et non en fonction des stéréotypes. Sur cet aspect, le poids des religions, et notamment la dimension intégriste, constitue un frein majeur à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et nous avons aujourd'hui parfois tendance à nier ce point. Il ne faut pas négliger cette lutte, qui est évidemment sensible. Le troisième sujet que je veux aborder, c'est les actions à mener. Il s'agit d'un combat qui doit être partagé par tous, je l'ai dit, mais également par tous les acteurs, collectivités locales, États, entreprises, associations. C'est bien en unissant l'effort de chacun que nous pouvons aboutir à un changement véritable. En complément de ce qui a été annoncé, la Cité de l'égalité et des droits des femmes, la budgétisation sensible au genre, un Paris sans pub sexiste ou encore l'accueil des femmes SDF, et sans y revenir, je souhaite rappeler que cela s'inscrit également dans un cadre national. La ministre du Travail et la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes ont annoncé des mesures extrêmement fortes visant à combattre l'inégalité salariale. 9%, qui est l'écart de salaire entre les hommes et les femmes à poste et âge équivalent, c'est injustifiable. Et donc, des sanctions financières sont prévues et toucheront les entreprises qui ne respecteraient pas l'égalité salariale à horizon 2022. Et la transparence accompagnera ce dispositif. Par ailleurs, un plan de 50 mesures a été présenté par le gouvernement le 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. À la suite de cela, a été présenté le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, qui prévoit un délai de prescription à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur mineurs, la création d'une infraction pour verbaliser le harcèlement de rue, ou encore la lutte contre les nouvelles formes d'agression, raids numériques sur les réseaux sociaux, upskirting ou voyeurisme, drogue du viol. Vous parlez dans votre communication d'écoute des victimes et de centres psychotrauma. Je rappelle que le ministère de l'Intérieur a ouvert en septembre 2018 une plateforme de signalement gérée par des policiers spécifiquement formés pour informer et orienter les victimes de violences sexistes et sexuelles. Par ailleurs, 10 centres de prise en charge des psychotraumas seront ouverts dans les territoires à titre expérimental d'ici la fin de l'année. Enfin, je veux saluer toutes les femmes que je connais bien et qui se battent aujourd'hui au Bluet pour faire vivre le droit des femmes et la prise en charge et qui sont empêchées depuis longtemps par une gouvernance autoritaire qui ne sait pas comment gérer cet établissement. Les causes sont parfaitement connues et je trouve qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, y compris la mairie de Paris, est bien timide dans le soutien de ces femmes à qui on veut imposer un plan social inique qui les empêchera de travailler dans de bonnes conditions. Je vous remercie.